Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des Femmes. Très heureuse une fois de plus de vous retrouver dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes. Et les femmes auront beaucoup de choses à se dire ce soir. Nous allons avoir des regards assez croisés, des avis opposés, divergents. Nous allons nous balader aujourd'hui dans des espaces marchands. Nous allons apprécier les comportements des uns et des autres. Sur ce plateau, nous avons des commerçantes, communément appelées les Bayam Selam. Et nous avons des femmes qui ont l'habitude de se rendre au marché pour faire leurs courses. Ambiance assez ambiance particulière parfois. Beaucoup de tensions des fois. Beaucoup d'agressions verbales. Aussi, on se demande bien ce qui est très souvent à l'origine de tout ce qu'on observe comme tension, nervosité auprès de ces femmes-là qui sont là depuis parfois très tôt le matin et qui attendent les clientes pour pouvoir proposer leurs produits. Pareil pour les clientes, certainement elles aussi auront un mot à dire. Ce soir, regard croisé entre les commerçantes et les clientes qui sont d'apprécier un peu tout ce qui se passe autour, l'ambiance dans les marchés, comment se fait l'accueil, comment on appelle un client, qu'est-ce qu'on propose et qu'est-ce qui peut très souvent être à l'origine des conflits qu'on observe dans une poignée de secondes. Je vous dévoile le panel. Civisme dans le marché, c'est la thématique de ce mardi 24 mai 2022. L'incivisme interpelle tout le monde, que ce soit des grandes personnes, des personnes d'une certaine classe sociale. Tout le monde devrait pouvoir observer un certain nombre de mesures pour que les choses se passent bien. Être courtois, être poli, être respectueux, faire bien ce qu'on a à faire pour pouvoir marquer. De toute façon, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Alors, qu'est-ce qui peut très bien expliquer, qu'est-ce qui peut très souvent expliquer la mésentente, les désaccords, les éclats de voix, bien ces situations, ces conflits qu'on décrit très souvent quand on se rend dans nos différents espaces marchands et même ailleurs, même dans certaines structures, en entreprise, supermarché et autres. Ce soir, avec les femmes, on va se balader un petit peu pour apprécier l'ambiance et analyser les attitudes, les comportements des uns et des autres. Pour en parler ce soir, j'accueille Nathalie. Bonsoir à vous, Nathalie Babo. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous, Nathalie? Ah, c'est bien, et vous? Ça va, merci. Nathalie Babo, vous êtes commerçante. Bayam, vous aimez bien le mot Bayam Selam. Vous vendez et vous vendez Bayam to Bay, Selam to Sell. Je suis une Bayam Selam, c'est ça qu'on appelle. Ça fait beaucoup d'années déjà aujourd'hui, Nathalie. Ah, oui. Combien d'années? Ça fait 5 ans déjà. Oui. Que j'exerce ce commerce. Mm. Et puis, c'est un commerce qui n'est pas facile, Julie. Ouais. Vous faisiez quoi déjà avant? Oh, ben avant, que je vendais mes épices, quoi. Mm. Enfin, vous faisiez toujours le commerce à la Le commerce, toujours, oui. Mais maintenant, j'ai changé depuis 5 ans. Je suis dans le Bayam Selam. Quand on dit Bayam Selam, ça veut dire une personne qui se déplace. Donc, d'une ville à une autre ville. D'accord, ouais. Alors, elle fait son commerce, d'accord. Elle part faire ses achats pour revenir vendre. Mmh. C'est ça qu'on appelle Bayam Selam. D'accord. Avant, vous vendiez juste des épices. Aujourd'hui, vous vendez quoi? Aujourd'hui, je vends, chez moi, je vends le plantain, le macabo, les ignames. Pour ce qui concerne la nourriture. Oui, oui. Et aussi, j'ai aussi un espace fruit. Mmh. Mm-hmm. Papaye, ananas, les mangues. Bon, saison, pas saison, quoi. D'accord. Vous êtes mariée, mère de 2 enfants. Vous vivez à Deido. Alors, Nathalie, le quotidien d'une Bayam Selam, vous avez dit vous voyagez et tout. Mais avant de présenter l'autre panel, je vous posais juste une toute petite question. Qu'est-ce que vous n'appréciez pas, qu'est-ce que vous décriez très souvent chez les clientes et qui vous approchent? Qu'est-ce qu'on peut reprocher, disons-le comme ça, de façon très simple? Qu'est-ce que vous reprochez aux clientes qui viennent vers vous ou qui se rendent dans nos différents espaces marchands ou qui viennent au marché? Voilà, les femmes qui viennent au marché. Oui, Julie, vous savez que le métier de Bayam Selam, c'est un métier que les gens ont tendance à beaucoup simplifier. Oui, quand elles viennent là au marché,
quand ces femmes-là viennent là au marché, elles nous trouvent derrière notre commerce, ou c'est parce qu'elles nous trouvent sales, parce qu'on est là, elles se disent peut-être qu'elles ont affaire à n'importe qui. Il y a un manque de respect. Il y a un manque de respect qui se passe. Bon, qu'on ne sait pas, vous voyez. Une femme va descendre de sa voiture, n'importe comment, elle va arriver là, même pas un bonjour. Elle va te demander le prix de ta marchandise. Quand tu lui donnes le prix de ta marchandise, ayant déjà bouleversé même la marchandise, tu lui donnes le prix, elle se permet de partir. Elle ne négocie même pas la marchandise. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Après, ils sont les premiers à dire que les bails en sel en sont sauvages, les bails en sel en sont ceci, les bails en sont... Mais chacun a son caractère. Moi, je ne peux pas accepter que je me lève. Déjà que c'est un métier qui est pénible, je dis. Parfois, on dort. On ne rentre pas chez nous. On dort à la belle étoile sur notre marchandise. Parce qu'on a peur. Tu ne peux pas aller à l'hôtel dormir. Tu ne peux pas aller chez une connaissance. Mais non, tu ne peux pas. Parce que tu as tes centaines de mille qui sont là par terre. Tu n'es pas venu jouer. Tu es obligé de dormir près de ta marchandise. Pour éviter le vol. Ça veut dire contre les moustiques, le froid et tout ce que ça comporte. Les bandits, tu ne dors pas. Tu es là, pas pour attendre la voiture. Et puis quand la voiture t'amène, tu te retrouves déjà le matin. Peut-être tes sacs de papaye sont déjà gâtés. Tes légumes sont déjà tout pourris. Après, quand tu exposes même le peu que tu as, tu vois une personne qui vient ou c'est se faire voir devant toi. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas comment les femmes se comportent. Parfois, tu vas aller, tu laisses tes enfants à la maison, ils n'ont même pas de nourriture. Parce que tu te dis que tu remontes à 16h, 17h, au trop tard, tu seras à la maison. Mais après, tu te retrouves qu'il y a le problème de voiture qui se pose. Tu te retrouves, peut-être quand Dieu est avec toi, tu te retrouves à entrer chez toi à 2h, 3h. Mais est-ce que c'est la faute de ces femmes-là? Ce n'est pas la faute des clientes. Ce n'est pas la faute de ces femmes. Oui. Mais c'est que ces femmes doivent comprendre que ce métier, c'est un métier à risque. Ce métier, c'est un métier qu'on doit respecter. Si. D'accord. Vous n'êtes pas seule sur ce plateau. J'accueille tout de suite Ruth Faube. Bonsoir à vous, Ruth. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Alors, Ruth Faube, vous êtes célibataire, mère de 3 enfants. Oui. Ingénieur QSE, en fondée qualité, sécurité, environnement. Vous vivez en Ndokoti. Oui. Alors, l'incivisme dans les marchés, vous en savez quelque chose? Tout à fait. Oui, racontez-nous un petit peu. Oui, c'est que je constate, elles sont très agressives. Parfois, c'est elle qui t'attire vers sa marchandise. Et dès que tu demandes le prix, elle commence à t'insulter. Oui, pour peu comme ça, elle vous dit n'importe quoi. Ça vous insulte. Oui, parfois tu arrives, tu n'as pas envie d'acheter. Tu dis non, ma copine vient, je vais te vendre. Tu n'as pas envie d'acheter. Et quand tu arrives, tu lui dis, elle te donne le prix, tu lui dis, tu n'as pas d'argent, mais ça devient un problème. Et puis, elles sont très solidaires. Dès qu'une commence, les autres suivent. C'est comme si nous devons subir leurs humeurs. Comme elle disait tantôt, elles dorment là parce qu'elles attendent, elles ont peur qu'on vole leurs marchandises. Mais nous ne sommes pas responsables de ça. Quand nous arrivons au marché, vous devez quand même nous respecter. Les Belges doivent le respecter. Et puis chacun doit respecter son travail. Et aimer ce qu'il fait. Ce n'est pas nous qui vous avons mis à ce. Je dis non à ça. Vous avez vos humeurs, vous n'avez pas dormi toute la nuit. Ces femmes-là d'abord sont paresseuses. Elles viennent là, ça c'est pour nous embêter. Mais c'est pas nous les bailleurs, c'est là qui allons remplir votre sac. On dit parfois le sac de la ménagère. Le sac de la ménagère, c'est pas nous qui allons remplir vos sacs. Mais nous venons vous rendre service. C'est pas nous qui allons remplir vos sacs. Quand on vous dit par exemple le 8 mars, c'est pour que vous débattez ces sujets. Mais vous préférez aller soulever les cababois. Pour venir déranger les bails en sel à mon marché. Mais non. Elle vous dérange comment? Elle nous dérange. Vous allez voir une femme qui vient, elle va te demander la banane, tu dis le tas c'est 200. Elle va te dire, aïe, la mère, 7 doigts de banane à 200 la mère. 7 doigts, tu dis, mais la banane est chère.
Avant, auparavant, on mettait 7 doigts comme ça, c'était à 27. Est-ce que vous le faites? Mais si vous voyez 7 doigts à 200, c'est parce que c'est devenu cher. Mais on n'est pas là pour expliquer. Oui, mais pourquoi nous expliquer? Et d'autres aussi vous expliquent. Pourquoi nous Vous ne voulez pas. Et tu vas voir quand bien elle veut même acheter, elle veut encore que tu dois éplucher ces bananes au marché. Ah, ben dis donc, ça c'est trop demandé. Non, celle-là. Ben non. Avant, elle achète des bananes, elle vous demande. Oui, et même les légumes sont des paresseux. Et ça, c'est gratuit. Sont des paresseux. Moi, je ne savais pas comment. Heureusement que ces hommes-là ne sont pas là, ils sont dans leur bureau. Permettez à Nathalie de parler. Mais si elles ne font rien, ces femmes-là. On fait les légumes au marché, on épluche les pommes de terre au marché, on épluche les plantains au marché. Est-ce que c'est gratuit? Quand tu l'as dit de payer, elles te disent que ouais, la mère, je n'ai pas l'argent. Je vais donner l'argent de payer à ton fils là, tout. Ton petit-fils, la mère, elle nous a déjà checké, elle appelle le petit-fils. Quand tu attends des petits-fils, tu vas faire comment? Non. Les mains sont déjà là. On est obligé d'éplucher tout. Et même Julie, je vais te dire, même la tomate, ma fille, la tomate, elle va acheter la tomate, elle demande qu'on lave la tomate, elle vient avec déjà les boîtes là, les boîtes de beurre ou les bols là. Elle va prendre la tomate, elle va prendre le poireau, le ail, il faut qu'on épluche. Le rondel, il faut qu'on casse. Le ceci, il faut qu'on fasse. On doit même aller les écraser ça pendant qu'elle n'a pas acheté la viande. Oui, mais et même la viande chez le boucher, même le boucher a les problèmes. S'il te plaît, découpe-nous la viande. Ben dis donc, qu'est-ce que vous voulez? Mais qu'est-ce que vous voulez, Julie? À la longue, ça donne les nerfs. On doit bavarder. Finalement, qu'est-ce qu'elles font? Tu vas voir d'autres qui vont venir. La mère, le congélateur là, ça se passe comment? Oh, ma fille, donc tu sais pas faire le congélateur. La mère, les légumes sautés. Je vais mettre les carottes dans les légumes sautés, la mère. Je vais mettre les ceci dans les légumes sautés. Ouais. La mère. Mais Julie. La mère. Mais une vendeuse va être une conseillère. Vous n'avez pas de conseil. De ces filles-là, apprenez à travailler chez vous. Les légumes que vous donnez au marché quand on vous découpe là, c'est pas poli. Les plantains bananes que vous dites quand vous épluchez là, c'est pas poli. Il faut être ordonné. Ils doivent même éplucher leurs plantains. Mais dis donc, tu verras Julie peut-être dans une semaine, deux semaines. Elles viendront nous dire même de préparer la nourriture au marché. Yeah. Elles vont porter avec la mamie pour aller servir leur mari. Mais je vous dis, parce que ça prend déjà une ampleur bizarre. On va revenir. Mais si, je dis, il faut rire. C'est quelque chose que moi, je vais attirer l'attention. Qu'elle ne croit pas que, comme on est balancé là, on est là pour tout le faire au marché. Mais non. Mais vous facilitez, vous le donnez au coup. Non, on doit pas les faciliter par rapport à quoi, Julie? Tu es dans ton foyer. Mais on vous paye tu pour ça, madame. Tu veux faire la nourriture de ton mari et tes enfants. Tu n'as qu'à te lever normalement, attendre et faire ton marché. Elle se lève, elle doit faire le Congo ça, aller par ci, aller par là. Et la nuit était comment? Et mon mari a fait que, l'autre a fait ceci. Venir maintenant au marché à 10h, commencer à te dire que ouais, la mère, pardon, là, les enfants vont rentrer bientôt à l'école. Et puis je nous la banane là, pendant que je peux acheter les crevettes là-bas. Ça c'est quoi? Et puis elles vont dire que nous sommes agressifs parce qu'on les dit la vérité. Oui, mais c'est vous qui d'accord. Et tu verras que une personne vient là, elle demande le régime de plantain, c'est quoi? Elle-même, elle prend ses yeux, elle voit le régime de plantain. Tu lui donnes le prix du plantain. Mais je lui dis, mais qu'est-ce que vous racontez là? Mais on souffre avec ces femmes-là au marché. Si on n'était pas agressif comme ça, c'est qu'elle nous laisse pas. Vous reconnaissez même que vous êtes agressif. Non, ça, on reconnaît. Permettez donc permettez. Non, on reconnaît Nathalie. Parce que vous êtes de trop. D'accord, Nathalie. Vous êtes de trop. D'accord, Nathalie, on a compris. Un plantain qui coûte 5 000, tu vas venir voir une fille, venir te dire que la mère, j'ai 1 000 francs. Elle se moque de qui là? Mais si ton mari t'a donné 2 000, va faire le riz sauter. Va faire le riz sauter, le tapioca, tu déposes. Vous allez manger, vous buvez votre eau, vous quittez sous ça. Venez pas nous déranger au marché. Parce que quand nous on part en brousse, on ne part pas pour X ou Y, on part pour ABC. Donc tu n'achètes pas, l'autre viendra acheter. Merci beaucoup. Oui, la preuve de contraire, c'est que quand on prend, comme moi par exemple, je fais ma brousse deux fois par semaine, les mardis et les vendredis. Nathalie. Ça veut dire quand je pars mardi, je reviens mardi, soit je vends mercredi.
Quand je pars vendredi, samedi matin, je suis au marché. Nathalie. Donc, ça veut dire que tu n'achètes pas, Julie viendra acheter ou Viviane viendra acheter, Nathalie. Eh bien, c'est ça. C'est bon, calmez-vous. Alors, permettez que je présente la troisième panéliste. Okay, allez-y, Julie. Non, bah, parce que ça, vous avez commencé. Nous sommes agressifs. On est solidaires. Mais vous ne voulez pas qu'on soit solidaires, comment? Lisette, nous devons être solidaires. Lisette Yormini avec nous ce soir. Bonsoir à vous, Lisette. Bonsoir, comment Julie. Comment allez-vous, Lisette? Très bien, merci. Ça va plutôt fort. Lisette, vous êtes divorcée, mère de trois enfants, promotrice des instituts de beauté. Vous vivez à Yassa, plus précisément le Diatika. Oui, madame. Ouais, un quartier situé à Yassa. Oui. Alors, l'incivisme dans les marchés, vous avez entendu notre Bayam Selam, Nathalie, qui est sur ce plateau. Mm-hmm. Et voilà, vous avez eu à avoir une petite, je sais pas, une mésentente, situation particulière qui vous aura marqué avec ces femmes, ces commerçantes qui sont dans nos différents espaces marchands. Ah oui, Julie. Comment vous appréciez leur comportement? Bon, c'est vrai qu'elles sont tellement agressives, c'est vrai. Parce que là, je ne peux pas, je peux pas me permettre à citer tout parce que c'est tellement beaucoup que bon, je ne sais pas. Parce que quand tu arrives au marché, tu pars vers une dame, peut-être tu as envie d'acheter peut-être comme la tomate, comme ça. Tu lui poses la question, madame, c'est combien? Elle te dit carrément que peut-être le tas, c'est 500. Et après, maintenant, quand tu dis, mais comment la tomate là, c'est petit comme ça, là, moi je veux les gros. Elle te dit carrément qu'il n'y a pas les gros. Si tu veux, tu pars ailleurs, elle n'est pas là, elle ne veut pas trier. Peut-être tu lui demandes que, mais madame, pardon, j'aimerais que vous triez un peu. Faites un peu, comme c'est les petits là, j'aimerais que vous triez, vous mettez un peu les gros. Mmh. Elle va te faire comprendre que non, elle n'est pas là pour trier les tomates. Si tu ne veux pas, tu pars. Mmh. Mais vraiment, c'est très, très, très. C'est pas ça, c'est... Julie, je suis désolée. Non, laissez-moi parler. Je suis désolée. Quand tu viens au marché, soyons polis. Tu viens, tu as demandé le tas de tomates là. C'est parce que tu as vu cette tomate avant de demander, non, Julie? On t'a donné le prix de la tomate là. Mm-hmm. Pourquoi tu veux encore laisser la tomate que tu as vue? Tu as demandé, on te donne le prix. Tu dis que la tomate là est petite. En demandant, tu avais vu les gros. Tu as vu les petits avant de demander. Les gros. Et maintenant, quand tu veux qu'on te satisfait, c'est comme ça que tu dois aussi la satisfaire. Si tu veux les gros, ça veut dire que c'est un prix qui augmente. Mais je n'en disconviens pas. Et voilà. Je n'en disconviens pas. Mais quand on vous dit ça, vous dites non. Non, le fait c'est que je n'en disconviens pas. Vous dites non. Vous ne voulez pas. Oui, elle doit trier les gros. Elle te donne au prix de 500 que tu veux. Si elle augmente même 100 francs, la mère, je ne suis plus là, je ne prends pas. Mmh. Tu ne prends pas. Les tomates sont déjà détruites. Tu as déjà détruit les tomates. Qui arrange? Arrange alors, tu pars. Mais le problème ne se pose pas seulement sur les tomates. Parce que quand tu dis que tu arranges pas, on ne va pas te laisser. Parfois, tu arrives, elle est là avec sa voisine. Dès que tu te tiens là, tu te mets à côté de sa machine, elle te dit... qui va là-bas, elle te pousse parce que tu as débordé un peu son comptoir. Mm. Et parfois, tu ne le fais même pas essayer parce qu'il y a d'autres clients. Mm. Et c'est de l'agression. Vous le faites régulièrement. Ce n'est pas seulement parce qu'on a demandé la marchandise. Parfois, tu passes une action. Généralement, elles occupent le trottoir. Ce n'est pas une passes le trottoir. Oh, donc, vous êtes maintenant devenu. Oui, mais vous occupez le trottoir. La mairie. À ce que vous je sache. Donc vous dites que ton sac touche à sa marchandise. On appelle le supermercat qui est là. Il voulait parler de toilette. Le supermercat là qui je suis, il a même oublié comment. Donc vous êtes maintenant. Voilà, mais vous êtes maintenant de. Vous voulez faire son travail. Non, pas ça, vous en fait, c'est que quand on part dans un marché. Écrivez donc vous quand avez. On va acheter. Nous passons dès que le sac touche à sa marchandise. Julie, je demande. Nous sommes ici espace parole de femme. Vous appelez les médecins. Je veux laisser espace parole de femme pour aller rester sur la place du journal. Ça se fait. Mais tu es venu acheter la tomate. Mais ça ne dépend pas. Place-toi devant la tomate. Ça ne dépend pas de la tu laisses la tomate que tu vas te placer devant la tomate. Tu viens te placer devant mes plantes que mes clients aussi se placeront. Oui, mais c'est quand il y a plusieurs clients. Mes clients vont voir mes plantes. Quand il y a plusieurs clients, on fait comment? Mais est-ce que tu es venu au marché pour m'empêcher de faire? On fait comment quand il y a plusieurs clients? Reste devant ta tomate. Mais quel genre de client je peux mettez-vous en fil. D'accord. Il n'y a pas d'espace. En fil, non, là, il y a la place. Mettez-vous en fil. Vous venez au marché pour le désordre. Parce Nathalie, que vous ne voulez pas respecter justement... que l'autre est venu avant moi. Il faut qu'on la serve avant. Vous êtes... on va se tenir où? Merci. Justement, Nathalie, en fait, c'est tout ça. Nathalie, c'est tout ça qui nous a un petit peu intrigués, justement. C'est-à-dire ces petits désaccords qui virent très souvent et ça devient de gros problèmes. Pourtant, très souvent, on ne se connaît même pas. Elles ne connaissent pas les clientes. Bon, d'autres connaissent les clientes.
Mais pour peu qu'on se soit placé justement devant le comptoir d'une commerçante et qu'on n'ait pas fait la recette à cette dernière, elle le prend mal. Mais ce n'est que normal, Julie. Qu'est-ce que tu Donc, veux? Quand elle est devant votre comptoir, vous êtes obligé de vendre d'acheter. En fait. Non, c'est normal. C'est elle est obligée d'acheter. Qu'est-ce que tu veux? Merci tu beaucoup, madame. Je vais te placer devant mes plantains. Pour finir, tu n'achètes pas mes plantains. Elle est obligée. Tu m'as d'abord empêché une client qui voulait peut-être venir devant mon plantain. Elle a dit que non. Elle a déjà une client devant elle. Que j'aille aussi là-bas. D'accord. Elle pardonne la recette alors que c'était mon argent. Parce que tu es devant mes plantains et pour finir, tu n'as pas acheté. Si elle n'achète pas, il va acheter. Non, n'achète pas. Va là d'où tu veux acheter. Non. Nathalie. Va là d'où tu veux acheter tes tomates. Tu D'accord. te places là-bas. Alors, vous avez Mais c'est normal, non, madame. Quand tu passes devant un comptoir. Tu voulais qu'on s'entende comment? Oui, mais sur le prix. Ok. Sur le prix de la marchandise. C'est pour ça que nous sommes là. Si on n'arrive pas à s'entendre sur le prix de la marchandise, tu continues ta. Non, mais ne m'insulte donc pas. Laisse-moi partir librement. Il y a des clients qui vous insultent aussi, qui vous. Mais tu parles de quoi, Julie? Tu comprends les femmes, c'est qu'elles parlent parce qu'elles veulent tirer les draps sur eux. Non. Mais il faut voir comment une cliente vient. Et la mère, c'est combien? L'état de mangue, si la mère, c'est combien? 1000 francs. Oh! Maman, les femmes, si vous voulez, mais la mère, le tas, il a 1000 francs tu comme ça là. De la mère, dans mon village, on met tas comme ça là. Dans quoi, ma fille, répète encore. Dans mon village, et c'est ton village ici. Mais prends le transport, tu pars dans ton village acheter le cajou de mangue à 500. Pourquoi tu es obligé de venir devant moi? Ne viens plus. Mais tu as oublié de reprendre. Ne viens plus. Tu n'as pas oublié de reprendre. Non, je ne réponds pas. Pourquoi? Tu dis que j'ai la colle forte sur la bouche. Tu dois m'insulter. Non, je ne vais pas répondre. Tu dois m'insulter. Oui, parce que c'est toi qui es cherché. Ne vous fâchez pas, Nathalie. Oui, ne vous fâchez pas. Tu es devant la machinerie de quelqu'un, elle t'a donné le prix. Oui. Si le prix ne te convient pas, en femme polie, la mère prochainement. Vous faites des choses qu'on appelle que le coupé-coupé. Vous connaissez nos rations. Vous faites, on insulte nos enfants au marché. Nos enfants garçons. On les insulte au marché. Nous ne sommes pas les enfants de quelqu'un. Parce que le coupé-coupé, c'est quoi? Vous faites le... Coupé-coupé, c'est quoi? Non, tu ne sais pas ce qu'on appelle coupé. Non, Nathalie, dis-moi. Non, tu ne fais pas ça. Franchement. Ok, je vais donc t'expliquer coupé-coupé. Coupé-coupé, c'est quoi, Julie? Mon fils t'a donné 5000 de rations. Parce qu'il sait que le marché est dû. D'accord. Tu es déjà quitté parce que tu fais tes cotisations derrière son dos, qu'il ne connaît pas. Tu as déjà dit que j'ai mon tous les jours de 1000 francs. J'ai aussi ma tontine de jeudi. Et il m'a donné 4000. Il faut d'abord que je sorte 1000 francs pour tous les jours. 500, je mets derrière pour jeudi. Comme jeudi, je cotise 3000. 500 de lundi à jeudi, ça va déjà donner 3000. C'est comme ça, Julie. On fait les économies, non? Écoute-moi bien. Elle coupe la ration que nos enfants les donnent pour aller faire leur tontine de derrière et venir maintenant chez les Bayamselam. Que la Bayamselam va porter sa marchandise, les mettre ça dans le sac. C'est les femmes qu'elle demande ici. On donne le prix, elle quitte là-bas. Elle vient ici, elle demande. Oui, parce qu'elle cherche le bon prix. Julie, elle cherche le bon prix. Et la bonne qualité, et la bonne qualité aussi. En une heure de temps, tu vas trouver. Et la bonne qualité aussi. Femme là où la fille est en train de toujours, elle est encore de la chute. C'est ça, elle dit. Mamie, tu es docteur du marché. Tu es venu faire ton marché. Tu es docteur. Tu es docteur. On peut engager les. Est-ce que tu es docteur? On t'a donné l'argent, viens faire ton marché, 30 minutes, tu rentres toujours toi. Il y a quoi que tu vas contourner tout le marché, nous les deux, parce que tu cherches le moins cher. Parce qu'elle n'a pas encore trouvé ce qu'elle veut. Elle veut quoi? Elle veut la bonne qualité aussi. Elle veut quoi? Quelle bonne qualité? Merci beaucoup. Tu veux la bonne qualité quand tu as 1000 francs dans la tu vas trouver ça où? C'est Julie. Julie, je demande. Non, ça ne vous demandez pas. C'est moi qui demande. Tu es une femme aussi, non? Ah, non. Tu veux la bonne nourriture avec 2000 en bouche. Mais c'est les femmes qui ont évolué. Nathalie, permettez à Lisette de parler aussi. Vous avez assez parlé quand même, Nathalie. C'est bon. Non, c'est pas ça, Julie. Je comprends votre les ressenti. Les femmes, si sont trop bizarres. Non, après, non, nous parler. Vous comprenez. Après, mais quand on fait le commerce, la mère, ce n'est pas moi qui t'a mis ici au marché. La mère, pardon, si ma mère à la maison, elle dort tranquillement. On lui donne la ration. Tu fais quoi ici au marché? Tu fais quoi? Une mère comme toi, comme ça, avec ses cheveux blancs là sur la tête, tu fais quoi ici là au marché? Tu peux pas aller dormir, les enfants te donnent à manger.
Maman, tu m'as vu chez toi. Je t'ai demandé un plat de nourriture. C'est toi qui viens me déranger sur mon commerce. Et tu es encore la première à m'insulter. Mmh. Et tu veux que je te laisse partir. D'accord. Donc, on a compris qu'il y a des clientes aussi qui sont... Mais ce n'est pas facile. Quand tu vois un client qui t'achète la banane et d'épucher, tu vois que c'est dans un client facile là-bas. Si tu refuses de d'épucher, elle part ailleurs. Tu lui dis que on épuche là, c'est 200. Elle te dit que la mère, 200 là, c'est l'argent des beignets des enfants. Tu ne peux pas aller toucher ça à la maison. Ça, c'est quand même un aspect assez particulier, intéressant. Hein? C'est vrai qu'il y a des femmes qui font, elles font presque tout. C'est vous, les commerçantes, qui allez apprêter les condiments et tout. Mais Julie, peut-être quoi que je blague. Viens le matin au marché de l'eau, tu vas voir la magie. La femme s'est achetée la banane de mi-frein. Elle a laissé ici qu'on épluche. Elle allait acheter les légumes de 500-800. Permettez-le d'aller de parler. Elle a laissé les légumes de 500. Elle passe sur la tomate. Elle a payé la tomate de 200. Tomate de 200, c'est 4. Il faut qu'on lui découpe même la tomate. Elle a payé le ail de 50. La mère épluche le ail de 50. Finalement, tu parles au fait. Bon, alors, Nathalie, vous avez assez parlé aussi. Permettez maintenant à Lisette de parler. Lisette parle. Ok, bon. Merci de vous passer la parole. C'est quand même fort tout ce que Nathalie... Et c'est qu'on nous a subi. Hein. En fait, moi, je dirais tout simplement que ce que la dame vient de parler là, toutes les femmes ne sont pas paresseuses. Mmh. Moi, je ne peux pas aller faire mon marché. Je laisse la banane à une bayam, de pêcher la banane, la tomate et tout. Et tout est consort. Non, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que j'ai le tissu. Je suis une femme. La femme, c'est celle qui s'occupe de son foyer. Tu ne dois pas laisser ton foyer aller au marché, donner les choses aux femmes du marché. Pourquoi vous pensez que celles qui sollicitent ces aides-là sont paresseuses? Peut-être qu'elles n'ont pas de temps aussi. Bon, ça dépend aussi. Peut-être qu'elles n'ont pas de temps. Vous ne devez pas les juger comme ça, parce que nous, on vous aide aussi. Quand on vient vous donner, c'est parce qu'on veut aussi vous lancer, on veut aussi vous aider. Mais comme dans votre tête, c'est que nous sommes là, on est paresseuses. Non, nous ne sommes pas paresseuses. Une femme, c'est celle qui elle doit travailler, elle doit préparer, elle doit... Parce que tu ne peux pas aller au marché, tu achètes la banane, tu donnes à une femme de d'épucher la banane. Non, moi, je ne trouve pas ça sérieux, ce n'est pas normal. Mais il y a les femmes qui le font. Non, il y a les femmes qui le font, peut-être parce que, bien sûr, elles ont les raisons, il ne faut pas juger, il ne faut pas nous juger comme elles ça. Elles ont quelle raison? Elles n'ont aucune raison, non. C'est des paresseuses. Elles ne sont pas paresseuses. Je te dis, parce que moi, j'ai vu une fille... Quand je parle d'une fille, c'est ma fille, la voisine. Elle est à la maison avec les enfants. Elle ne fait rien. Oui, mais il faut pas accepter. Donc tu comprends? Peut-être qu'elle ne sait pas faire la cuisine, peut-être elle aussi. Elle part au marché. Je te dis que cette fille-là tourne même le manioc. On va casser le manioc au marché, éplucher. Wow. Il ne faut pas accepter. Donner. Il ne faut pas accepter. Tu comprends? Non, mais après, c'est un échange. Après, elle a quand même quelque chose en retour. Est-ce que c'est normal? Je dis parfois, il n'y a même pas de retour. Pas il est bien vrai que quand elles veulent ça, parfois on leur dit 200. Mm-hmm. Et même le 200 qu'on leur dit là, parfois c'est même pour les chasser. Mais elle insiste, elle dit que la mère, je vais te donner, elle donne. Ils sont tellement nombreux à nous écrire. Joseph Numbisi Wambo. Pardon. Il vaut mieux ne pas arriver bien habillé car immédiatement les prix changent à la hausse. Bravo, cher Bayam Selam. Fabiola Mbiako, bonsoir vous sur le plateau. Vraiment, nous vivons dans un monde où il y a la tension dans l'air pire. Dans nos espaces marchands, à la moindre erreur, vous êtes toutes de suite insultées. Triste réalité, très mal poli ces commerçants. Christelle Totsap, bonsoir ma grande. On a coutume de dire que le client est roi. Mais c'est totalement le contraire dans nos espaces marchands, surtout avec nos mamans qui viennent des périphéries pour ne pas les généraliser. Certaines sont d'une impolitesse caractérisée. Dès qu'elles te donnent un prix, tu n'as pas le droit de discuter. Sinon, bienvenue les insultes. Même en langue maternelle, et parfois les prix se donnent en fonction du charisme de l'acheteur. Roger, ils sortent de leur maison et viennent dans les espaces marchands se comporter comme s'ils venaient aider les consommateurs. Pourtant, oh, c'est fort quand même ce que vous avez dit. Hermine Rose et Bélé, Julie, nos commerçants sont impolis envers les clients. Parfois, ils sont en colère parce qu'elles sont exposées au soleil en longueur de journée. Du coup, elles mettent leur colère sur les clients. Elles ne savent pas que le client est roi. Ça, elles ne le savent pas. Vous en pensez quoi? C'est un langage qui n'existe pas dans nos marchés. Il y a le Davin qui dit, et les maris chômeurs font quoi? Ils peuvent faire la cuisine. Béatrice, tout comme Josette. Madame Nathalie, vous avez raison. Oh non, je suis d'accord avec la mère.
Allez-y, Ruth, vous étiez en train de parler. Oui, je disais tantôt que il est bien vrai qu'il y a des femmes paresseuses, comme disait la maman tout à l'heure. Il y a des femmes paresseuses, elles veulent qu'on fasse tout. Mm-hmm. Et parfois, nos commerçantes, là, les encouragent. D'accord. Parce que quand une maman... Refuser? Oui. Par exemple? Une maman, c'est une maman. C'est si une jeune fille. Peut... Oui. Une jeune fille qui vient, elle va lui dire non, maman. Ma fille. Bon, peut-être qu'elle les voit aussi pour des conseils aussi, parfois. C'est ce que je dis, en même temps, soit des conseillères. Ouais. Mm. Une vendeuse doit être une conseillère. Mm. Pour pouvoir dire à ma fille que voilà, je te montre comment on fait, mais la prochaine fois, ne viens plus, je ne ferai pas. C'est ça. Je dis, la prochaine fois, elle viendra que devant toi, te dit encore que moi. Non, mais tu refuses, tu dis, va faire ça toi-même. Moi, par exemple, moi, j'aime toujours prendre l'exemple sur moi. Mm. Je te jure, pour l'ordre du monde, tu n'achètes pas la banane chez moi, tu me dis que ma fais-moi la banane, si même à 500, te dis, dépose pas ailleurs. Je n'accepte pas ça. Parfois même le fond pour amener la cliente à acheter. Mmh. Moi, je me rappelle. C'est-à-dire que je n'accepte pas ça. Dans mon espace commun, je n'accepte pas. Mmh. Je n'accepte pas. Surtout à une jeune fille. Mala Chantal dit, business women have bad mouth because customers make as if what they are selling is from their peer home. Donc, elle tire sur les commerçants qui ont une mauvaise façon de s'exprimer. C'est vrai que ça revient quand même, Nathalie. Oui, mais elles ne peuvent pas parler aussi de leur comportement. Mm. La commerçante ne parle pas mal pour rien. Mm. Si tu viens poliment devant la commerçante... Vous reconnaissez au moins ce que vous... Si. Vous taxez souvent vos marchandises en fonction de la personne qui est devant vous. Justement. Quand vous voyez une femme bien habillée, oui. Si la marchandise coûtait 2000 francs, Elle coûte 3000 même, c'est beaucoup, c'est petit. Mais ça a vos avantages. Quel avantage? Ça a vos avantages. Parce que je vais te dire, peut-être, quand je vends un régime de plantain de 5000, si je vois que c'est Julie qui vient là, il dit que 7000, Julie. Comme Julie va me donner 7000 ou 6500, l'autre régime qui coûte peut-être 3000, quand toi tu vas venir, tu vas me dire que la mère donne 2500. Laisse-la alors discuter. J'ai dit, ma fille, donne-moi. Parce que je sais que j'ai à profiter chez Julie. L'argent de Julie, là, va compléter pour toi. Donc, c'est toujours dans vos avantages. Donc, tu insultes souvent parce que tu n'as pas encore le bénéfice. C'est pas merci ça. Beaucoup, madame. On n'insulte pas. Bon. Ça, c'est pas encore la vous aimez toujours tirer sur les commerçants et pour rien. Mais vous êtes pas... Moi, je ne peux pas refuser. Il y a les parfois mal polis. Hein. Il y a les commerçants qui sont vraiment mal polis, vraiment, comme vous dites. Je reconnais. Et il y a aussi parfois les femmes qui ne savent pas gérer leurs humeurs. Peut-être qu'elles ont des petits problèmes à la maison, des soucis et tout. Ça existe partout, même dans nos services. Le lieu du commerce, c'est le lieu du commerce. Oui. Elle vient avec ça au marché. Oui. Directement, comme elle est sur les nerfs, elle est pensée. Elle bouge. Oui. Toi qui viens là, c'est toi qui es coupe. C'est toi qui es coupe. Voilà, mais tu vas voir après, même un autre jour, celle qui est concernée, un autre jour, quand tu vas passer, elle t'appelle, elle te dit, ma fille, viens. Ouais, vraiment, je m'excuse l'autre jour. C'est parce que c'est de mon... Ah bon, il y en a qui s'excusent. Oui. Il y en a qui s'excusent. Ça va dans tous les sens, on reproche d'impolitesse, certaines qui sont pas très honnêtes. Oui, c'est comme ça. Avec des faux biais, des choses comme ça. Même celles qui viennent acheter, elles sont... plus mal poli même que celle qui va. D'accord. Parce qu'elles ont la mauvaise bouche. Non. Tu vas voir une qui vient acheter. Moi, je te dis, c'est ce que nous sommes au marché. C'est ce que vous vivez, nous en fait. Nous sommes au marché. Je te dis, tu vas demander, elle vient là, elle demande la marchandise. Tu lui donnes le prix de la marchandise. Peut-être que sa poche n'a pas d'argent. On ne refuse pas, on ne juge pas vos poches. Elle n'a pas d'argent. Mais quand vous savez que vous n'avez pas d'argent, continuez. Oui, mais on veut... On continue comment? Tu vas voir, on Julie. Continue comment? Par exemple, une anecdote. Une dame qui parle au poisson frais. Voilà une dame qui se place au poisson frais. Elle va acheter au poisson frais. Elle demande le prix du poisson frais. On lui donne. Elle a d'abord tourné le poisson. Mais pour se rassurer quand même qu'il est de bonne qualité. Après, elle demande encore le prix. On lui donne le prix du poisson. Elle dit ouh, jusqu'à elle tourne son corps. Elle part. Mais je lui dis, mettez-vous souvent à la place de ces commerçants. Mais qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal, Nathalie? Ah, donc vous trouvez, elle n'a rien fait de mal. Mais non, vous écoutez, dis-nous. Elle bouleverse les poissons. Elle touche, et c'est le poisson frais. Parce que le poisson frais, c'est une tarée qui est très difficile. Mais il faut lui demander de ne pas toucher. Quand tu touches, je lui dis poliment de ne pas toucher.
Si une autre personne aussi vient toucher, comme ça que le poisson s'éteint. Mais tu lui dis poliment de ne pas toucher, qu'on ne touche pas le poisson. Tu touches d'abord ou quoi? Oui, mais tu lui dis poliment qu'on ne touche pas. Mais Nathalie, quand tu viens demander, maman, c'est frère, oui. Écoutez, Rudon, des fois vous achetez quoi, échange de marchandises, alors échange. Vous pensez que c'est frais et arrivé à la maison, c'est pas frais. On a eu ça plusieurs fois. Du poisson, on achète du poisson qui respire même. Tu arrives à la maison, tu mets au feu, ça devient la pâte. Ça nous le. Et elle te dit. Et la commerçante a quoi là-dedans? Mais puis tu dis que le poisson vit encore. Parce qu'il y en a qui changent aussi des fois quand même. Ah, non, non. Elle change comment? Peut-être. Donc, Julie, je tiens. Tu es devant une marchandise. On change la marchandise devant toi, tu ne vois pas. Bien sûr. Elles le font, on le fait. Elles le font. Elles soutiennent même. Elles soutiennent même du poisson. Pendant qu'elle emballe du poisson, elle a dit que Nathalie permettait aussi. Non, ta tête n'est pas sur ce que tu fais. Elles le font. Tu as dit que tu n'es pas. Concentré peut-être. Tu n'es pas concentré à ce que tu fais. D'accord. Parce que toute chose que tu fais, tu dois être concentré. Je comprends. Nathalie. Est-ce que tu peux dire que tu achètes une marchandise? On change la marchandise devant toi, tu ne vois pas. Oui, mais puisque tu es parfois, tu es distraite. C'est la même chose qu'à Dokoti. Avant, quand tu allais à Dokoti, tu achetais une paire de tennis. Quand on voit que tu es déconcentré, tu n'es pas concentré. Oui, mais quand on te change ça. Le temps de prendre la gamme. Mais quand tu es concentré, il cherche les manières qui vont changer. Oui, mais est-ce que c'est donc bien de faire ça, Nathalie? Le temps de prendre la gamme dans votre sac, tu es un peu distraite. On change la marchandise. Moi, ce que je sais, c'est que Julie, sur toute mauvaise chose que tu peux faire, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Et tout le monde l'a pas. Il y a un Dieu là-haut qui voit. Tout le monde ne l'a pas. Hein? Il y a un Dieu qui voit. D'accord. Par exemple, il y a les femmes qui puisent, tu viens, tu achètes le riz. Quand tu mènes les arachides, elles te donnent, tu regardes. La première boîte, après, elle donne la deuxième, elle tourne la tourne boîte. La boîte. Elle fait ça, tu es là, tu ne connais pas. Mais toi, tu crois que tu l'as trompé. Dieu t'a vu. Bien sûr. Ça se fait même avec les arachides, avec un peu tout. Alors. Si, ça se fait. Même justement, c'est pour ça que quand vous êtes devant une marchandise, quand tu es devant un marchand, sois concentré. D'accord, on a regarde compris. Regarde ce maintenant, que tu fais. Permettez aux femmes aussi, elles vont revenir sur justement ces petites techniques. Voilà, des petites techniques pas du tout commodes qu'elles utilisent parfois pour faire des économies. Ou bien quand vous êtes distraite. Bon, peut-être avant, on va suivre le workshop, d'accord? Tant que Nathalie se calme. Alors, vous le savez, c'est le moment de nous écrire, d'envoyer vos témoignages et réactions. L'émission en direct sur la page officielle de Equinox TV. Allez sur Facebook, tapez juste Equinox TV. On écoute attentivement ces différentes réactions. On se retrouve juste après. C'est les femmes qui viennent au marché vers les 10 heures même parce qu'elle n'a pas assez d'argent dans la poche. Mais elle vient, au lieu de se concentrer sur ces 1000 francs qu'elle a dans la poche, elle se met à toucher les marchandises des gens, elle touche, elle demande les prix alors qu'elle n'est pas capable d'acheter puisqu'elle n'a pas d'argent. C'est pas bien. Quand tu as tes 1000 francs dans la poche, quand tu vas là où tu peux trouver ton compte avec les 1000 francs, que de toucher la marchandise des gens et que tu ne payes pas après. C'est généralement les clients. Bon, le bail en selon ce que vous vous accordez pas au niveau de l'achat. Et parfois, c'est embarrassant. Il y a parfois des malentendus, des incompréhensions. Et puis bon. Mais généralement, il y a des clients qui viennent, des personnes qui viennent, qui se déguisent en clients, mais ce ne sont pas des clients, c'est des arnaqueurs. Si tu vois un monsieur bien habillé, il vient, il t'interpelle, je veux les produits. Tu t'arrêtes, tu penses que tu as un client potentiel en face de toi. Lors de l'échange, alors, il voit le produit. Il prend, il te sort un billet peut-être de 10 000, tu le rembourses, après il te dit non, ce n'est pas le prix, tu m'as mal remboursé, tu vas me rembourser plus que cela. Et puis, lorsque vous commencez à discuter, il te dit ok, je ne veux plus. Si tu ne veux pas donner à mon prix, tu récupères ta marchandise et puis tu me rembourses mon argent.
Et parfois, il joue sur la colère du Bay Amselam. Parce que quand il vient devant nous, il t'embrouille. Quand il te met déjà en colère, il sait qu'il a gagné sur toi. Parce que dans la colère, tu ressors son billet de 10 000, tu lui remets et il garde ta monnaie. Si tu n'es pas éveillé, tu vas te dire qu'il t'a remis tout simplement la marchandise et puis tu te calmes. C'est après un moment que tu te rends compte que hey, tu n'as plus l'argent sur toi. C'est là où tu te rends compte que c'est l'arnaque. Oui, parfois c'est des circonstances qui arrivent. Hein, parce que, par exemple, les femmes qui vendent les fruits n'aiment pas parfois quand on vérifie les fruits à fond parce qu'elles ont la partie parfois pour ce qui est des mangues, de mettre les mangues pourries en bas. Et lorsque parfois vous voulez vérifier la qualité de la mangue qui est au bas du tas, elles sont soit un peu allergiques à ce genre de comportement et parfois t'envoient des mots un peu déplacés. Régulièrement, surtout quand tu viens au marché chercher un article, peut-être tu demandes à la cliente, l'article coûte combien, elle te dit peut-être 15 000. Si peut-être ce n'était pas ton budget, tu avais peut-être 8 000. Quand tu dis 8 000, elle se met à t'insulter, elle se met à te quereller. On t'a dit que j'ai ramassé ça. Pourtant, c'est les choses qui ne se font pas. J'ai vu un vêtement qui m'a beaucoup plu, vu d'œil même sur la moto. Je suis descendue de la moto, j'ai alors touché le vêtement. Et le vêtement était un peu presque abîmé, délavé même. J'ai demandé à la vendeuse que madame, s'il vous plaît, ce vêtement coûte d'abord combien, ça m'a plu. Vous n'êtes pas, parce que vous connaissez quand vous venez toucher la chose, quand vous partez une fois, ce sont des problèmes. Mis un peu pour calmer un peu son cœur, vous demandez un peu le prix, ça coûte combien, elle dit son prix. J'ai même fait un peu comme si non, je voulais discuter, mais pour savoir le vêtement ne me plaisait plus. Elle m'a dit que non, tu vas donner comme ça là. Après, elle dit que... Après, nous sommes entendus au dernier prix. J'ai même dit jusqu'à là, je n'ai pas. Elle, je suis partie. Elle s'est fâchée, elle a pris ses humeurs, elle a dit n'importe, vous êtes toujours comme ça, vous n'achetez pas les choses au même prix et tout et tout. Ils n'ont pas de moyens. Si ça, c'est parce qu'ils n'ont pas de moyens. Mais quand tu connais que tu n'as pas de moyens, ne touche pas la chose d'autrui. Passe ta route. Tu viens trouver un commerçant en train de dormir, que le marché est dur. Quand tu viens, c'est dit que, enfin, maman, mon client est venu. Parce que c'est un client devenu touché et parti. Tu vois, ça ne donne pas. C'est juste, moi, je pense que c'est une mauvaise manière de faire le commerce. Si quelqu'un vient payer ta chose, si tu dis, c'est peut-être 10 000, la personne te dit que même si j'ai 1000 francs, c'est son argent, c'est ce qu'il a. Tu dis non, ce n'est pas ça. Ça ne peut pas être bon, mieux, tu peux chercher ailleurs, c'est tout. Mais pas dire, on t'a dit que j'ai ramassé ça. Tu penses qu'on vole seulement ça pour venir revendre, c'est pas le prix, machin. Quand vous proposez des prix qui ne conviennent pas à la commerçante, ça également, j'ai déjà vécu ça. Bon, parce qu'il y en a qui se comportent comme si lorsqu'elle donne un prix, il faut effectivement débourser cette somme, comme si elle était ce qu'on appelle au quartier vraiment monoprix. Et pourtant, sur le terrain, on sait quel est le niveau des salaires au Cameroun et que bon, parfois c'est pas tout évident de s'approprier un bien comme ça sans essayer de faire ce qu'on appelle négocier. Nous sommes là pour vendre. Quel que soit le nombre de fois que le client entre, on a besoin de lui. Pour nous, le client, c'est un roi. S'il veut, il vient, il touche mes marchandises, mais pourvu qu'il ne parte pas avec. Non, on doit discuter. Au Cameroun, on ne peut pas afficher un prix sans discuter. Et pour mieux ne pas avoir le problème avec le client, il faut peut-être afficher un prix plus élevé, même peut-être au moins 2 000. Au plus 2 000, pardon. Pourquoi en discutant avec le client, une fois vous enlevez ce prix, c'est ce que moi j'ai constaté. Parce que les clients sont du genre que quand vous mettez peut-être 30 000 sur un article, ils vont avoir commencé peut-être à 25 000. Or, si vous avez mis 35 000, même s'ils commencent à 30 000, vous donnez une fois. C'est les femmes qui viennent au marché. De retour sur le plateau de Paroles de Femmes. Si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous parlons de l'incivisme dans les marchés. Merci à toutes les personnes qui ont bien voulu répondre au micro de Théophile Tchounke, monsieur en t-shirt Bordeaux. Je vous dis bonsoir. J'ai bien reçu le bonsoir. Un bonsoir, c'est particulier. Merci infiniment. Je profite aussi pour faire un clin d'œil au personnel du complexe Le Mundi à Yaoundé. Formidable accueil. Je vous fais un gros, gros, gros câlin. Je vous dis merci pour tout. Alors, de retour dans ce plateau, mesdames, vous avez suivi ces différentes réactions. Qui veut prendre la parole en premier? Je vais la prendre. D'accord, Rita. Il y a un phénomène qui se passe actuellement au marché. D'accord. La monnaie. Tu viens au marché, tu vas acheter une marchandise. Dès que tu dis, j'ai 10 000, elle n'est plus avec toi. Tu commences à te débrouiller. Pourtant, avant, ce n'était pas ça. C'est ça.
Et quand tu insistes, maman, tu peux même pas chercher à côté de tes voisins. Elle commence à t'insulter. Comme si c'est toi qui fabriques la monnaie. Ça, je ne sais pas, je sais pas comment résoudre ce problème. Et c'est un problème. Parfois, tu fais le tour du marché parce que tu cherches la monnaie pour leur donner. Mais elles oublient qu'il y a des jours où tu as la monnaie, tu leur donnes cette monnaie-là. Le jour où tu n'as pas la monnaie, tu as un billet. Si tu n'as pas la chance, tu fais le tour du marché sans rien acheter. D'accord. Et puis, c'est toujours ce Bayam Selam qui nous agresse tout le temps, qui passe le temps à pratiquer sur nous. Pratique? Oui. Ils font des sorcelleries sur nous. Elles font des pratiques qui nous attirent les marchandises. Vous le savez. Vous le savez. Non, maman, c'est toi qui vas nous dire. Vous le savez, puisqu'on en parle. Non, on en parle. Même entre vous, quand vous engueulez au marché. Non, c'est les choses, c'est comme vous, ça. Vous, vous engueulez, quand vous engueulez au marché. Vous allez tirer sur le bail. Quand vous engueulez au marché, vous dévoilez tout. Nous sommes de passage, nous voyons tout ce que nous entendons, tout ce que vous dites. Je dis, mais tu vois comment une femme dit la monnaie. Toi-même, tu sais, la monnaie. Au Cameroun, nous sommes. C'est-à-dire que la monnaie, on en trouve plus. Ouais, et quand est-ce que tu crois que quelqu'un va aller au marché, s'asseoir, elle a la monnaie, on vient lui payer la marchandise, elle ne vend pas. Oui, mais tu elle peut partir avec. Et donc, je peux faire, elle peut faire rentrer avec la marchandise que le vendre et rentrer avec cette monnaie. Oui, mais à l'époque, avec nos mamans, à l'époque, quand tu venais à l'époque, il y avait la monnaie. Mais entre vous, elles ne peuvent même pas trouver la Julie, monnaie. Julie, moi, je te dis, tu es là, tu prends peut-être 10 000, comme elle dit. Si je viens chez toi, peut-être chez moi, tu viens me dire, Natou, change-moi 10 000. Si j'ai la monnaie, je ne te donne pas. Tu sais pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas te donner la monnaie? Non, Nathalie, pourquoi? Pendant que je te change 10 000, je te donne toute ma monnaie que tu donnes à ta cliente. Maintenant, je suis confronté aussi à la même chose. Oui, mais quelqu'un ne veut pas te donner. Quelle même personne? C'est un agent qui tourne. Quelle même personne? Ça ne tourne pas. C'est un agent qui tourne. Ça ne tourne pas. La monnaie ne reste pas chez une autre personne. Ça ne tourne pas. Pendant que mon client est là, il m'achète peut-être quelque chose de 3 000 francs. Alors que... toi, tu es venu acheter quelque chose de 1000 francs, 500. J'ai porté tous mes 10 000 de monnaie. Voilà maintenant que j'ai un client qui est en train d'acheter quelque chose de 3 000 avec 10 000. Mais une autre. Comment je fais? Ta voisine, je paie ma cliente. Ou je me lève, je commence à faire tout le tour du marché Nyoundendo. Pourquoi pas? Alors que j'avais ma monnaie. Pourquoi pas le client? Pour tes beaux yeux, je ne te donne pas. Pourquoi pas? D'accord. Je ne te donne pas cette monnaie-là. D'accord. Je garde ma monnaie. Vous oubliez que nous vous donnons aussi la monnaie. Mais tu donnes la monnaie-là pour prendre ta marchandise. Tu viens acheter, on t'insulte. Est-ce que tu viens donner cadeau? D'accord. Tu ne donnes pas la monnaie cadeau. Est-ce qu'il y a une réaction? Parce que tu veux acheter ta marchandise. Il y a une réaction qui vous a marqué tout à l'heure quand vous suivez le Vox Pop, Nathalie? Oui, oui. Laquelle? Le monsieur en Bordeaux, là. D'accord. Antico Bordeaux qui tirait sur les femmes qui disaient tantôt que les tas de mango, mais les pourris, les maintenant à vrai. C'est simple. Nous, les Bayam Selam, nous ne sommes pas compliqués. C'est quand tu veux nous compliquer qu'on te complique. Si tu prends ta marchandise, je dis parce que moi je vends les fruits. D'accord. Tu ne peux pas venir, tu touches les fruits comme ça. Tu déposes. Si deux, trois personnes viennent toucher les mêmes fruits, Julie, c'est fini. Tu vas mettre les fruits là derrière pour toi ou pour partager. C'est plus pour vendre parce que les fruits sont délicats. Dis-moi que madame, je veux, tel comme la dame disait tantôt, je veux les mangues dures. Je veux, il y a ceux qui viennent, ils me disent que ma, est-ce que tu as les mangues non mûres? Je te dis que, Julie, il y a les clients qui sont mal polis. Oui, il va venir te saccager tout. Il sait comment pour placer les tas là, tu as souffert. Il vient, il te déclasse peut-être deux, trois tas. Et pour finir, il n'achète pas, il part. Non, la mère, les mangues là sont trop moches. Je ne veux pas les mangues là, il part. Mais quand tu viens, demande la qualité que tu veux. C'est dans le panier, c'est là par terre, mais tu ne sais pas. Quand tu viens, demande, maman, tu as les mangues. Moi, j'ai souvent ceux qui voyagent pour aller en Europe. Ils viennent souvent, ils me demandent que, madame, s'il vous plaît, on veut les mangues typiquement non mûres. D'accord. Quand je viens avec mes mangues, je calibre. Quand je vois les non mûres, je garde. D'accord. Il y a ceux qui viennent disent qu'ils veulent les peaux jaunes. Il y a ceux qui veulent les mous. D'accord. Et comme tu sais bien défendre tes sœurs, et quand est-il des boîtes, des fausses boîtes? Quand vous avez. Non, je ne suis pas partisan de ça, maman. Il y a les fausses boîtes, expliquez-nous un peu. Non, je ne suis pas partisan. Permettez à Ruth de parler. Vendeuse de rue, vous voulez 10 boîtes de rue.
Elle commence, elle sait très bien. Mm-hmm. Première boîte, après elle tourne la boîte. Ah. Oui. Elle tourne la si. Boîte. Il y a ça elle au fond. C'est vrai, même avec les âges. En tout cas, celles qui nous écoutent. Justement, c'est pour ça que j'ai attiré l'attention. Ouais, mais... C'est ce qu'on est en train de faire, en tout cas, Nathalie. Quand vous êtes devant une marchandise, il faut être concentré. On l'a compris, Nathalie. Permettez aussi à Lisette de réagir, s'il vous plaît. Qu'il y a des choses. Tu vas voir une fille qui vient là, elle a mis sa voiture là, tu ne sais même pas. Déjà, on ne veut même pas savoir comment tu as fait pour avoir ta voiture. Parce que là, c'est ta personnalité, on n'est pas là pour ça. Elles sont là avec vos choses que vous appelez, ou c'est les bamatelots, les balèches. C'est ça qui passe sur le marché. Comme si elle part dans sa chambre. Alors que elle vient au marché. Tu viens te faire voir monter les pieds. Est-ce qu'on a besoin de ça? Mais pourquoi vous jouez? Mais c'est ça qui se passe. Mais c'est ça qui se passe. Mais c'est ça qui se passe. Avant ta marche au marché. Quand tu viens au marché, c'est tenu correct. Habille-toi bien, non. Tu viens au marché. Pourquoi? Et bon, quand tu t'habilles comme ça, les ongles sont comme ça. Les signes de Kongana sur la face. Que je ne sais même pas comment. Ou elle regarde quelqu'un comment avec ça. Je ne sais pas. Mais quand elle arrive là, elle donne l'argent. C'est obligé. Vous la... Tu ne me donnes pas une autre personne. C'est bien sale. C'est bien sale. C'est bien sale. Elle est sale. Elle est sale. Tu vas les jeter. Elle est sale. Tu vas les jeter. Je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, ce n'est même pas mon problème. Quand tu portes ton lèche, comment tu veux. Alors, ce n'est pas ton problème. D'accord. Viens alors pour me montrer que tu es une grande fille. Achète-nous bien la marchandise. Bien sûr, on le fait. Elle va tourner à gauche. Oui, mais quand elle sort derrière la gauche. Elle tourne à gauche. Elle tourne à droite. Elle demande si. Elle demande ça. Tu vois après, la mère, tu ne prends pas ça. Je dis, non, c'est bon, regarde la bonne chose. Tu le cas, tu n'as pas honte. C'est 500. Sur quoi? Parce qu'elle n'a pas. 500. Elle n'a pas. Mais pourquoi vous jugez la tenue? Ce n'est pas parce qu'on a la voiture qu'on a. Attendez, pourquoi vous jugez la tenue quand même? Ce n'est pas parce qu'on a la voiture. Nathalie, c'est son style. Il y a des femmes qui aiment bien ce style. Il n'y a pas de style au marché, Julie. Permettez un peu de dire que Nathalie. Vous avez pensé que vous allez empêcher les gens de s'habiller. C'est pas normal. Oui, Nathalie. Vous pensez que vous allez empêcher les gens de s'habiller. Non, oui, Nathalie. Je suis une jeune fille et c'est vous qui faites ça. Non, je ne suis pas d'accord. Apprenez à vous habiller normalement pour venir au marché. Hein? Apprenez à vous. On ne vous dit pas de venir sale. Tu peux même mettre ton matelot que tu mets là, mais tu mets, tu verses ton petit gant où il y a les mini kabaki qui se vendent au marché. Hein? Mais pourquoi? Tu viens maintenant comme ça, quand tu n'achètes pas, on commence à crier, on tape même les boîtes sur vous. Oh, donc t'as donc un format. Oh, le médecin est au marché. Vous dites que nous sommes sauvages, nous sommes agressifs. Vous dites que nous sommes ceci. C'est vous qui nous cherchez. C'est la démocratie, madame. C'est vous qui nous cherchez. Il y a un phénomène. Quand une jeune fille arrive au marché avec son blanc, d'accord. Elle arrive au marché avec son blanc. Dès qu'on voit le blanc, on quadruple le prix. Et quand la fille se met à discuter, on commence à insulter le blanc, un pauvre blanc comme ça. Et ça, c'est normal d'insulter le mari. Il est pauvre, normal. Un blanc violent, c'est de la tenue. C'est blanc, mais dit qu'il a pas de l'argent. Non, attendez, ok. C'est pas poli. C'est pas poli dans une histoire de blanc ou de noir. À nous dégrader la marchandise que. Ce n'est pas poli dans le mari de quelqu'un. Non, nos hommes noirs achètent. C'est pas on va pas parler des races, on parle pas de ça. Permettez que je lise des messages, je vous en prie, c'est trop fort. Bonsoir Tata Julie, l'émission de ce soir, c'est la pâte. Lorsqu'on parle de Bayam Selam, il faut faire un tour au marché Dakar pour confirmer. Ces mamans insultent les clients, on dirait que tu avais un problème particulier avec elles. Pour ces dames-là, on n'a pas le droit de prononcer la somme que nous avons dans nos poches. Elles te donnent le prix, tu essaies de demander un rabais, elles t'insultent. Quand le prix est fort et que tu préfères partir, elles te lavent encore bien. Surtout celles qui vendent au trottoir. Yo, je t'attends, Julie. J'ai eu ma dose un jour jusqu'à insulter même mes babouches. Vraiment, il faut une sensibilisation dans nos marchés. Je préfère m'arrêter là, Josiane de Ndoxinbi. Ouais, Julie, bonsoir. Les dames, très beau thème, Julie. Moi, de ma part, l'incivisme là est partagé, que ce soit du côté de la vendeuse ou la chuteuse. Que chacune gère ses humeurs avant de sortir de sa maison et que le respect soit mutuel. Sinon, ça devient du n'importe quoi et ça va dans tous les sens. C'est d'elle chante depuis Omnisport. Julie, je salue le thème. C'est fou ce qui nous parle et nous concerne. Bravo pour l'inspiration. Continue de l'avant. Merci. Bonsoir. Thématique intéressante car elle met en exergue le problème de l'éducation de la femme qui est essentiel pour le devenir de la jeune fille. De plus, je pense que c'est souvent un problème d'humeur en fonction de comment elles ont dormi et des problèmes qu'elles ont. Elles doivent savoir que le client est roi.
bien que c'est une relation de complémentarité, qui les lie, l'une donne de l'argent et en retour reçoit le produit. Ravik Mahop depuis Douala. Alors, Mengwa Fanny depuis Yaoundé, bonsoir à vous. La mère, calme-toi même, non. Il y a les familles qui mangent dernière. Il y a les familles qui mangent le nettoyage des poissons, poulets du marché, là. Hein. Le client est roi, mais le respect est mutuel, je pardon. Alors, Tata Julie, bonsoir. La dame du milieu refuse de dire la vérité. Les bains Amsel, encore appelées revendeuses, sont très agressives. Célestine Négav, depuis la ville de Bafoussam. Tata Julie, bonsoir à toutes tes invités. Ces braves femmes, étant donné que l'on traverse beaucoup de problèmes pour joindre les deux bouts, maman Nathalie, je pense que si un client vient vers vous, essayez plutôt d'être tolérant, car ce n'est pas facile d'assurer la ration alimentaire. Albert Takungan, depuis la République du Congo. Bonsoir, thématique intéressante car elle met en exergue le problème de l'éducation. J'ai lu ce thème-ci. Bonsoir, le panel à maman Potelé, la raison très bien. Elle connaît les réalités du marché. David Assara depuis la ville de Douala. Bonsoir à vous, mesdames. Déjà, nous voudrons préciser que ces BMC-là ne sont pas faciles. Leur caractère est très agressif et ne sont pas accueillantes. Que la maman du milieu-là n'extrapole pas, s'il te plaît, Julie. Le client est roi. Julie, maman a raison, je suis Bamsela, mais il faut voir comment les femmes viennent presque nues au marché, où c'est toujours pour acheter les clients, ou acheter, pour acheter les condiments, ou pour s'exposer. On regarde seulement, parfois on est dépassé. Tout ce que maman dit est vrai. Apprenez à vous habiller convenablement quand on vient au marché. Bonsoir, c'est Daoudou depuis la Guinée équatoriale. La dame du milieu a raison. Beaucoup de femmes n'aiment plus faire la cuisine. Elles se concentrent sur leurs ongles et les make-up. Bonsoir Julie, ces femmes au marché sont souvent agressives. Quand elles parlent d'éplucher ou le découpage, ça se paye, ce n'est pas gratuit. Les cultivateurs et les Bayam Selam en sont à respecter car elles nourrissent nos ménages. C'est vrai que certaines sont agressives et parlent mal. Si tu la traverses pour acheter chez sa voisine, parfois c'est les problèmes entre elles-mêmes, ça ne donne pas, elles s'engueulent. Nordine qui nous écrit. La maman Nathalie doit être une de ces vendeuses qui n'aime pas qu'on discute le prix de la marchandise. Si tu n'es pas satisfait et que tu tournes le dos, ce sont les problèmes. Tout le marché va t'entendre. Allez avoir coupé la parole. La maman Bayam Selam, on fait éplucher la banane au marché. C'est vous qui encouragez la paresse. Il faudra refuser. Bonsoir, la maman m'a parfaitement raison. Les femmes deviennent de plus en plus paresseuses. C'est elles qui veulent tout déjà fait. Très bonne émission, William, depuis la ville de Yaoundé. Bonsoir à vous sur le plateau. La maman doit comprendre qu'elle cherche son argent. Donc, même si le besoin de la cliente est aussi banal que découper la tomate, c'est elle qui paye. Si la vendeuse ne peut pas, elle laisse. D'autres femmes sont trop occupées pour le travail et n'ont pas assez de temps. Mignonne depuis le quartier Efoulane à Yaoundé. Bonsoir Julie, la femme du milieu là est le prototype de celle qui agresse au marché. Vraiment, sa manière de parler explique ce qu'elle fait. Dis-lui que même les gens qui travaillent dans les bureaux ont des problèmes avec les usagers. Mais ça ne leur donne pas le toupet d'être agressif. Bonne émission. Maman Julie, la mère du milieu là ne laisse pas les clientes tranquilles. Un jour l'autre m'a dit que si mon mari est pauvre, c'est mon problème, passe ta route. Je demande le prix d'une marchandise, on ne s'accorde pas, maman. Elle me demande si c'est elle qui m'a enceinté. Massa, je suis Tata Gaël depuis PK 14. Bonsoir Julie, très bon thème. La femme du milieu a raison. Les femmes exagèrent. J'ai vu une femme au marché avec les boîtes de Bayam Selam éplucher tout pour elle. Elle part seulement écrasée. Trop de paresse. C'est Joséphine depuis Bel Air, Missoké. Les Bayam Selam sont tellement élevés, enfin, ok, ils sont, disons, impolis. Qu'à un moment donné, elles oublient qu'on se rend service. Parfois, tu salues poliment, tu demandes le prix. Si tu tournes le dos, maman, un tsunami d'injures, Fernand Yaoundé. Bonsoir, les dames. Julie, dis à la Bayam Selam que bientôt, on viendra au marché avec nos mamies pour acheter du prêt à consommer. On n'a plus le temps. Maman Julie, les femmes sont devenues trop paresseuses. Elles ne veulent plus rien faire. Les vendeuses au marché sont mes amies. Elles sont très gentilles. Nous devons les respecter et les aimer. Arrêtons de dire des choses contre elle. Elle parle bien, les clientes sont mal élevées. Moi, je les aime. Elle nous amène à prendre sa marchandise. Enfin, je ne sais pas trop. Madame Julie, je suis d'accord avec la Bayam Selam. Elle parle très bien. Elle est directe. Transmet elle. Dis-lui que je suis d'accord. Et surtout qu'elle ne se laisse jamais intimider. Yérima, depuis Maroua. Merci. Bonsoir, Tata Julie. Bon thème. Je suis d'accord avec Maman Nathalie. Le client a toujours tendance à chiffonner la vendeuse. Pourtant, c'est l'échange. Tu veux ma marchandise et je veux de l'argent en retour. Si tu ne veux pas acheter, tu laisses. Je peux manger mes plantains, ma cabot. Toi, mange ton argent. Alors, on voit.
Bonsoir, Julie. Ton thème là me concerne. Il y a des commerçants mal polis dans des marchés. Tu t'imagines qu'un jour, j'arrive au marché, je vais négocier le prix des carottes. La vendeuse arrête ma main, puis me montre où on vend les beignets ginger et me demande d'aller acheter avec mon agent pour manger, au lieu de me dire poliment que mon agent est insuffisant. Respectez-vous. Bonsoir, Julie. Il y a tellement de messages. La mère Bayam Selam là, va me finir de rire. Je m'engueule bien au marché avec les Bayam Selam parce qu'elles font souvent comme si elles ont le monopole de la mal bougée. C'est Stella depuis Yaoundé. Bonsoir Julie, j'apprécie beaucoup le thème de ce soir. La dame du milieu dit exactement ce que font nos soeurs dans nos différents marchés. Je vous assure, Salvador Payani. Julie, les mamans qui vendent au marché, là, ont souvent les humeurs. Elles font comme si les clients sont responsables de leurs problèmes. Que la mère du milieu là, nous dise aussi qu'elle nous vende, pourquoi elle nous vend les tomates pourries. Très belle émission. La femme du milieu là, tout dit, car tu ne peux pas vouloir acheter la tomate et tu te places devant le sel. Devant celle qui vend les arachides. Ouais. C'est quel genre de nourriture que tu vas faire 3 heures au marché? Vanique d'Aquanor. Il y a les maminoc. Moi-même, je les insulte. Elles se rendent malheureuses alors qu'elles ne le sont pas. Avant. Oh, c'est fini. Bon, allez, pour sortir quand même. L'incivisme dans les marchés. Qu'est-ce qu'on retient, Ruth? Qu'est-ce qu'on retient? On retient. Nous retenons que. Le tort est partagé. Mm-hmm. En fait, nous avons parmi les Bayam Selam qui sont très impolis, mal polis, agressifs, et il y en a qui sont gentils. Et nous aussi, les acheteuses, mm-hmm. il y en a qui sont méprisantes, d'accord. méprisent les commerçantes. Ce que nous devons faire, c'est que nous devons comprendre que nous devons. Nous, les Bayam Selam mm-hmm. doivent. Bien faire leur travail et donner de la valeur à ce qu'elles font. D'accord. Je lis ce message qui me fait un peu rire. Une maman m'interpelle de côté sur sa marchandise. Mon fils demande même non. Viens, mon fils, viens. Quand je viens, elle me dit que le tas de manque, c'est 300 francs. Mais quand je demande à avoir pour 150, elle me demande pourquoi mon âge, je suis célibataire et que je dois aller me marier et envoyer ma femme discuter les mangues à 150 avec un ton de moquerie. On vous aime, mais vraiment, soyez polis, mes mamans chéries. Nathalie, qu'est-ce qu'on retient? Allez-y. Il y a le temps. Oui, nous devons retenir sur ce thème que vraiment, moi je tire trop sur les acheteuses. Mm-hmm. Oui. Soyez polis avec vos mamans. Mm. Même si elles sont mal polies, acceptez-les comme ça. Mm. Parce que parfois, on a la bouche comme ça, c'est les choses, ce qu'on a vécu. Mm. C'est ça qui nous met souvent sur les nerfs. C'est pas que on vous insulte parce que non. D'accord. Vous-même soyez aussi poli envers vos mamans. D'accord, merci à vous Nathalie. Mm-hmm. Oui. Allez-y Lisette et Yamini. En fait, moi je dirais tout simplement que déjà quand tu as accepté un métier, exercer un métier, tu dois le faire avec amour. D'accord. Tu peux pas accepter que je peux pas accepter de faire tel métier et je me mets à insulter les gens. D'accord. Là, ça ne marche pas. On a compris. Je suis Léon Zinga, ancien Bayam Selam qui est en joie. Enfin, une Bayam Selam qui est en joie a fait une bonne vente en journée. Surtout, méfiez-vous des Bayam qui ont eu le dos tourné de leur conjoint la nuit. J'espère que Nathalie n'a pas souvent ce problème. C'est pour vous arracher un sourire. Merci à la grande équipe conduite par Danny Warren. Je vous rappelle vite fait les rediffusions jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir. Mmh.